C'est au cœur du Massif central que prend naissance la rivière Dordogne. Forte d'un patrimoine d'exception qui lui confère une réputation internationale, elle attire chaque année un grand nombre de visiteurs. Dès le début de son long parcours vers l'océan, les eaux pures de la Dordogne sont polluées. L'enrichissement excessif des eaux a pour conséquence le développement de cyanobactéries dans les retenues d'eau. Dangereuse pour l'homme, elle provoque de plus en plus fréquemment des interdictions de baignade, posant des problèmes pour la valorisation touristique et le développement de ces territoires. Conscients de cette dégradation de la qualité des eaux, les acteurs ont souhaité agir. Ils se sont regroupés de manière volontariste dès 1997 dans une démarche collective. Le contrat de rivière Haute Dordogne. Orienté initialement vers la réduction des pollutions urbaines, le contrat de rivière a permis de diagnostiquer le rôle important des effluents d'origine agricole dans l'eutrophisation de la retenue de Bord-les-Orgues. Si nous apprécions tous les fromages d'Auvergne, leur production impacte néanmoins la qualité des eaux et les milieux aquatiques. La présence de laiteries, de fromageries, constitue des sources de pollution mieux identifiées. Le programme Effluents fromagers, une action exemplaire du contrat de rivière, a permis de réaliser des travaux pour aider les producteurs de fromage. Il s'agissait pour eux de s'adapter aux contraintes spécifiques de la montagne en allant au-delà de ce qu'imposait la réglementation. Faire des économies d'eau, recycler et traiter les effluents à faible valeur fertilisante, éviter la dilution d'autres effluents, augmenter les capacités de stockage afin d'éviter l'épandage hivernal et le ruissellement vers les cours d'eau. Pour faire émerger ce programme, Épidor a obtenu une dérogation des instances européennes qui a permis l'attribution d'aides supplémentaires à l'agriculture. Un budget initial de 4 millions d'euros devait permettre de traiter une charge polluante évaluée à 100 000 équivalents habitants. Une centaine d'agriculteurs pouvaient bénéficier d'aides financières exceptionnelles de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, des régions Auvergne et Limousin, et des conseils généraux du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Corrèze et de la Creuse. Après 5 ans d'un programme effluent fromager animé et coordonné par Épidor, 58 producteurs ont adhéré à la démarche et réalisé des travaux d'amélioration de leurs exploitations. La pollution brute a été abaissée de 56%, ce qui correspond à la dépollution de 100 000 habitants. Cela contribue à la bonne qualité des rivières du bassin amont de la Dordogne. La réussite de ce programme est exemplaire. Elle doit nous inciter à promouvoir ce type de démarche qui rend possible la résolution de problématiques complexes telles que celles qui seront abordées demain dans le futur schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le SAGE Dordogne-Amont. Par exemple, la gestion des ouvrages hydroélectriques et des plans d'eau, la préservation des zones humides, le partage de la ressource ou encore le maintien de la biodiversité. Afin de profiter de la dynamique engagée sur ce territoire, et en attendant que le SAGE soit approuvé, Épidor anime un programme d'action opérationnel. D'ores et déjà, la démarche effluent fromager trouve une déclinaison sur deux affluents de la Dordogne, la Serre et la Tarentaine. Ce bilan démontre, s'il en est besoin, que la prise en compte de l'environnement est un atout et une chance. C'est dans cet esprit que nous est offert aujourd'hui l'inscription du bassin de la Dordogne au réseau des réserves mondiales de la biosphère. Reconnaissance de notre patrimoine et encouragement à le préserver.